100 km/h en remontant le Cher. Ah, pour un petit moteur comme ça, franchement, ça va. Là, je suis en plein courant. Et le bateau, il est chargé quand même. Je suis à bloc là. Bon, bah, les gars, premier carnassier. Une masta perche. Sérieux, voilà la taille de la perche, quoi. Sachant que des perches, ça commence à être grand comme ça. Allez, je vais la décrocher. Oh là là. Très 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 belle perche. Franchement, ça fait plaisir. Premier petit fiche carnassier de l'année. Allez hop, ça va repartir à l'eau. Hop là. Allez, c'est reparti. Bon, bah, on va continuer, hein. C'est parti. Bon, bah, me voilà en plein milieu du Cher, sur une île. Donc voilà, bah, écoutez, en tout cas, le matos, impeccable. Le moteur, je l'ai démarré au moins 25 fois le moteur. Donc allumer, éteindre. Franchement, ça fait le taf. Si vous voyez le courant, je sais pas si vous vous rendez compte, mais le courant là ça coule là, vraiment. Donc le 3,6 chevaux, franchement, il fait largement le taf. Il consomme rien du tout. Je suis arrivé, je suis remonté la rivière, j'ai fait ma descente. Ici, j'ai géré la descente au moteur, bah à la rame aussi, mais au moteur. Et ben franchement, nickel, hein, y a pas de galère. Alors, il y a un truc que je vais vous montrer, c'est ça. Alors c'est ça que je vais vous montrer. Bon attendez, je vais enlever mes cannes. Je vais décaler au moins celle-là. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai mon sondeur ici. Voilà, ça c'est le sondeur de chez AliExpress. Hein. Le sondeur que bah, vous êtes pas mal acheté. Et voilà ce qu'on est en train de mettre en place avec Manu. Donc, je viens de bloquer le moteur. Voilà, c'est ça. Donc voilà, je vais vous montrer. Ça permet d'utiliser. Eh bien, ça permet d'utiliser le sondeur wireless qui est là-bas. Bon, là, il n'est pas allumé parce que bon, je l'ai utilisé tout à l'heure, mais là, je ne le laisse pas allumer tout le temps. Donc là, ça permet d'utiliser le sondeur wireless avec ça, avec le même système de bascule que le bateau amorceur. Et finalement, ça fait largement le taf. Et donc là, Manu, il m'a fait la taille pour le sondeur wireless, mais ça pourrait très bien être pour le sondeur dipper. Donc vous voyez, c'est monté sur bras qui bouge, avec ici une coulisse ici, avec une coulisse et deux vis de chaque côté pour pouvoir enlever et démonter le bras facilement. Et vous voyez, par exemple, alors attendez, ce qui est du courant, donc c'est pas facile en même temps, le bateau il se barre. Mais hop, pour remonter, tac, vous remontez ça, ça éteint le sondeur parce que forcément il n'y a plus les petits trucs dans l'eau. Et quand vous voulez le remettre, c'est aussi simple que ça, vous faites comme ça. Donc voilà. Bon, bah là, moi je vais me faire un petit repas, je m'étais emmené une cuisse de poulet et tout ça, donc je vais en profiter que ce soit un petit endroit sympathique ici pour manger. Donc c'est parti, je vais manger. Ça y est, me voilà arrivé à la voiture. Bon, bah, le moteur, il n'y a pas à chier. Franchement, je viens de faire une remontée de plus de 15 minutes à fond, sans lâcher l'accélérateur. 15 minutes à fond. Et ben, en remontant le Cher, bah, franchement, ça avançait largement suffisamment. Donc voilà, je suis très content. J'ai même pas utilisé un plein. J'avais même pas le plein à fond et j'ai même pas utilisé le plein alors que j'ai navigué quand même quasiment toute la journée.
Voilà, j'avais un petit bidon d'un litre rangé ici. Et bon, en fait, je n'ai même pas utilisé. Donc voilà, bah, écoutez, là, je vais sortir les roues de halage. Et puis, regardez-moi ça, cette montée-là. Donc là, les roues de halage, je peux vous dire que ça peut rendre service dans ce genre de conditions-là. Allez, go, c'est parti!